Le Tchad participe à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, à travers deux films. Il s'agit du film documentaire de long métrage Amchilini du réalisateur Alemine Kader et celui de la réalisatrice Salma Khalil Alio avec son film d'animation de court métrage. Avant de se rendre au Burkina Faso, la délégation des cinéastes tchadiens est venue à la primature pour recevoir les conseils et encouragements avisés du chef du gouvernement de transition Salé Keb Zabo. Le Tchad compte beaucoup sur les deux cinéastes pour hisser plus haut le flambeau du pays des Toumaï à cette rencontre culturelle de renom international. Le chef du gouvernement de transition Salé Keb Zabo exprime son soutien et sa disponibilité pour accompagner les artistes tchadiens pour que le Tchad brille à l'échelle internationale dans le domaine du cinéma à travers ses fils. Au niveau où vous représentez le pays, je pense que pour le moment, on peut s'en satisfaire. Le FESPACO de cette année sera tchadien. Parce que je crois que les deux frères et sœurs qui vont ramener une palme. Je voudrais vous demander qu'au retour de Ouaga, on puisse se retrouver pour réfléchir à l'avenir. Comment vous soutenir et vous soutenir de façon pérenne. Pour ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi, je prends l'engagement. Vous le verrez, ça commencera à se manifester dès cette année. Parce que je crois dans vos talents. Plus de 170 films d'Afrique et de la diaspora seront en compétition officielle au FESPACO dont le Tchad fait partie.